Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour mes favoris du moment. Donc, vous savez que je ne les fais pas tous les mois. Là, je ne sais plus, je crois que ça remonte au mois de janvier. Ouais, janvier, il me semble, les favoris. Donc, je ne sais plus trop ce que j'avais mis dedans. Donc, voilà, mais je pense pas avoir du double ici. Enfin, je sais pas. Donc, il y a de la nourriture, des soins, maquillage comme tout le temps, chaussures, bijoux, mais pour une fois, il n'y en a qu'un. Et puis voilà. Donc on va commencer de suite avec la seule paire de chaussures que j'ai. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, ont dû voir. Donc en ce moment en fait, bon là aujourd'hui il y a un peu de vent et c'est gris donc je les porterai pas. Mais quand il fait vraiment soleil, j'adore porter mes Palladium. Donc c'est les blanches, elles sont retournées en fait et là vous avez du rayé. Voilà, ici aussi. Donc je les ai déjà en grise. Et celles-ci je les avais achetées à Shoes Universe dans ma ville et en fait c'était une liquidation pour travaux qu'ils faisaient donc du coup je les avais payé 45€ au lieu de 80 donc ça valait vraiment le coup et ça faisait bien 2 ans que je les cherchais en blanche et voilà et en plus elles sont beaucoup plus fines que les grises donc c'est super là pour cette saison là et je les adore, franchement je les adore donc voilà pour ça, c'est pas très très féminin mais je trouve ça vraiment trop beau genre avec un boyfriend un peu retourné, un peu déchiré et tout, je trouve ça trop beau donc voilà. Ensuite en bijoux j'ai qu'un truc à part ce bijou là que j'ai sur moi mais sinon j'ai celui-là vous l'avez déjà vu et je le reporte en ce moment donc c'est celui que j'avais acheté à Primark qui est comme ceci avec plein de pimpis, il est gris, argenté, noir et rose, donc en ce moment je me suis remise un petit peu à porter des colliers argentés, bon pas tout le temps je vous l'avoue mais quelquefois j'aime bien donc voilà mais je trouve vraiment très sympa celui-là, on peut se mettre avec plusieurs tenues donc c'est vraiment pas mal. Ensuite random un petit peu, donc j'ai une tartelette que je fais brûler en ce moment. C'est la Yankee Candle, c'est la marshmallow grillée, donc je l'avais eu dans le sort de ma chérie Laura. Et d'ailleurs je vais vous annoncer un truc à la fin de la vidéo, donc pour ceux qui sont intéressés restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc c'est celle-ci là, c'est avec le marshmallow grillé. Et honnêtement j'avais un petit peu peur de l'odeur et donc moi je la mets qu'à moitié, hein. Je la brûle qu'à moitié pour pouvoir changer plus facilement. Et c'est vraiment pas entêtant, moi j'avais peur que ce soit très écœurant comme c'est vachement sucré et tout ça et franchement c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment très agréable et elle sent vraiment super bon donc voilà. J'en suis mis partout. Ensuite, en nourriture, j'ai ce que je vais vous montrer, s'il le reste aussi. Bon, ça, c'est vraiment un coup de cœur depuis très longtemps. Bon, là en ce moment, je ne peux pas les manger comme je suis au régime, comme vous le savez, sur mon menu du régime, il n'y en a pas, c'est dommage, mais ça me manque un petit peu. Donc, c'est les gerbiers, les biscuits sésame. Donc, c'est ceux-là. Et honnêtement, ces biscuits, moi je les adore. J'adore le sésame, franchement, je trouve ça vraiment trop bon. Je trouve que c'est un petit goût vraiment plus sucré. Et j'adore, donc pour ceux qui ne connaissent pas, franchement foncez, ça coûte pas très cher non plus et c'est super. Et par exemple pour 2 biscuits, donc il y a 112 calories, c'est des sachets avec 4 biscuits à l'intérieur. Donc voilà, mais ça, enfin, c'est vraiment super bon, donc voilà. J'aime vraiment beaucoup, j'adore prendre ça le matin au déjeuner, voilà. Ensuite, ça c'est ce que j'avais eu dans le swap avec Laura, donc j'en étais pas servie pour l'instant parce que j'avais pas ma boule en fait pour faire tremper dans le thé. Et là comme je suis au régime donc depuis lundi, pour ça qui me suivent sur Instagram l'ont vu. D'ailleurs j'ai mis le menu sur Instagram et il y en a beaucoup à qui ça leur a, intéressé. Et en fait le truc c'est que j'avais tous les matins en fait je dois boire un thé, donc pas de lait, moi j'ai l'habitude de boire du lait. Et donc là c'est pas le lait, c'est thé ou café, et comme j'aime pas le café je bois du thé. Et donc c'est la nuit étoilée, donc elle m'a dit qu'elle avait acheté ça sur un marché et donc c'est du thé en vrac, je sais pas si vous allez voir, comme ceci. Bon déjà l'odeur est vraiment une tuerie et c'est Rumbo Nougat Amande Toffee Étoile de Chocolat Arôme, donc c'est trop bon. Donc c'est ce sachet là, je sais pas si vous pouvez le retrouver, elle est de Nice donc je sais pas si vous pouvez le retrouver vers chez vous. Mais c'est trop bon, franchement j'adore. Et d'habitude je bois le thé à la menthe, le basique. Et je trouvais en fait que
J'adore le boire en fait pour par exemple mon 4 heures ou après manger ou quoi, mais je trouve que ça tient pas assez le ventre en fait le matin. Par exemple, les deux jours en fait j'avais droit qu'à du thé, j'avais pas droit à des gâteaux ou quoi, donc voilà, fallait quand même que je prenne un truc qui me tienne bien le ventre, et ça c'était nickel, ça me tient bien le ventre. Là j'ai déjeuné à 8h30, il est midi passé, non il est midi moins 20, et pour l'instant j'ai vraiment pas faim, donc voilà, ça peut me faire tenir au moins jusqu'à 1h, 1h30, donc c'est vraiment pas mal, et je l'adore. Et pour terminer, donc je suis désolée pour le bruit, donc en fait quand et en fait j'ai le droit, à part ce matin, donc là on est vendredi, à part ce matin où je devais déjeuner des carottes râpées et j'ai pas pu, franchement j'ai vraiment pas pu, donc j'ai bu juste mon thé et voilà, je pouvais vraiment pas boire, manger des carottes râpées à 8h30, c'était pas possible, j'ai essayé mais je crois que j'aurais tout fini aux toilettes. Et donc normalement après ils disent, on peut donc hier, avant-hier, j'avais le droit à manger un petit pain ou un pain complet ou quoi, et donc moi je mange les pains au lait, et c'est ce pain au lait là, donc c'est les pasquiers, les basiques, donc là c'est le format familial, donc c'est 2 sachets de 10 pains au lait, donc je les ai achetés parce que voilà, j'aime bien déjeuner ça le matin, et c'est vraiment mes pains au lait préférés, ils sont tellement moelleux, tendres, ils sont vraiment super, ça fond dans la bouche et c'est vraiment mes préférés, donc voilà, puis ça coûte pas très cher franchement la marque pasquier, donc voilà, et je les adore ceux-là. Donc voilà, et je pensais pas, mais par pain au lait quand même, il y a quand même 127 calories. Mais bon, c'est pour le matin, donc ça va. Et puis j'ai pas le droit tous les matins, honnêtement, donc voilà pour ça. Ensuite, on va passer aux soins. Donc, j'ai 4 produits à vous présenter. Donc on va commencer par mon démaquillant. Donc j'ai le la dernière fois, je vous en avais parlé, donc là j'en ai plus beaucoup, c'est pour ça que le flacon est à l'envers. C'est le Garnier les démaquillants super confort pour d'emballe à sèche. Donc en ce moment, je sais pas comment ça se fait, mais à cause de mon démaquillant que je vous montrerai dans les produits terminés, en fait ça m'a asséché le dessus de l'œil et ça faisait comme si je pelais en fait. Et grâce à ce démaquillant, donc par contre le démaquillant comme ça, je m'en sers pour le visage, et le démaquillant waterproof pour les yeux. Mais après me démaquiller les yeux, j'aime bien passer un coton avec celui-là parce que ça apaise. Et il est vraiment super parce qu'il est sans parabène, convient aux peaux sensibles, et donc c'est celui-là. Donc je l'avais acheté pour essayer et il est vraiment super. Il sent très très bon et franchement c'est nouveau et je le rachèterai avec plaisir. Et je crois que la gamme qui va avec, je pense c'est l'eau micellaire Garnier, je sais pas, mais ça a plus le même packaging, donc je verrai bien. Ensuite j'ai un gommage de la marque Evoluderm que je vous avais montré une fois dans mon haul le Stokomanie. Il n'y a pas très longtemps, je vous mettrai mon haul ici si vous voulez. Donc c'est le gommage exfoliant extrait de pêche, donc c'est élimine les cellules mortes, affine le grain de peau, donc c'est celui-là. Et honnêtement, il n'est pas du tout abrasif pour la peau, donc c'est vraiment super. Moi je le sais, je le fais tous les 2 jours après m'être démaquillée et il ne m'assèche vraiment pas la peau. J'ai la peau grasse, hein. Donc après peut-être pour une peau sensible ça ne me conviendra pas. J'ai la peau grasse, après je m'hydrate bien le visage par contre. Mais franchement il est vraiment super, il élimine vraiment les impuretés et il a vraiment le visage propre et j'adore. Des fois je vais faire mon combo avec le masque de la même marque et je ne l'ai pas mis dans les favoris, mais c'est aussi un favori, donc voilà, il est vraiment super. Ça coûte 1,99€ chez Stokomanie et je m'en sers depuis peut-être 2 mois et il y en a encore plein dedans, donc c'est tant mieux. Après j'ai 2 lotions, donc j'ai la... une lotion tonique de chez Quesh, je connais pas, donc ça a l'aloe vera, la camomille et la calendula, donc c'est celle-ci, donc elle est rose, je sais pas si vous allez voir parce que le flacon est transparent. Donc ça je l'ai acheté, enfin je l'ai eu dans une glossy box, d'ailleurs je me suis désabonnée des glossy box parce que j'ai été déçue. Et bon, l'odeur est un petit peu, est vraiment très très fruitée, donc c'est, moi ça m'embête un petit peu parce que c'est vraiment très écœurant. Mais sinon je l'aime bien, je m'en sers pas tous les matins parce que sinon je mets du brumisateur en fait d'eau, mais sinon je l'aime beaucoup et c'est vraiment un favori. Je sais pas si où vous pouvez le retrouver, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ça c'est mon truc magique, franchement je suis choquée. Je l'avais acheté aux dernières promos Leclerc et ou avant dernière, je sais plus, et en fait je l'avais acheté mais je pensais pas m'en servir honnêtement. Donc là ça fait quand même un petit moment, les promos Leclerc, je crois que c'était au mois de septembre, je sais plus du tout, et je suis étonnée. Donc c'est le Visible et Clear Désincrustant Point Noir Lotion Nettoyante de chez Neutrogena, donc c'est la lotion transparente. Donc ça moi je m'en sers matin et soir et ils disent appliquer 1 à 2 fois par jour sur le visage et le cou à l'aide d'un coton en évitant le contour des yeux. Donc moi je l'applique sur ma zone, sur les pommettes en fait, sur le nez et le menton, parce que c'est là où j'ai un peu des points noirs, comme j'ai le visage gras,
En fait, là en ce moment ça va un petit peu mieux d'ailleurs, mais je vous montrerai pourquoi ça va un petit peu mieux. Je pense que c'est grâce à ça. Et en fait, ça me réduit les pores. En fait, mes pores ils sont vachement dilatés. Et ça, ça les referme. Et franchement, mais c'est révolutionnaire. Je suis vraiment choquée de cette lotion. Et franchement, au promo Leclerc, je pense que ça en met, les promos Leclerc. Si vous savez, si vous travaillez à Leclerc ou quoi, que vous avez eu des ocos, dites-moi en commentaire. Mais franchement, ça, quand il y aura les promos, je pense que je vais m'en faire un stock de 3-4 parce que j'adore. Donc ça s'utilise un peu vite quand même, mais j'adore. Franchement, pour celles qui ont la peau grasse et qui ont quelques points noirs ou les pores assez dilatés, franchement, c'est super et vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, j'ai deux parfums à vous présenter. Donc le premier, c'est le Tutti Délice Guimauve que j'avais acheté chez Stokomani. En ce moment, il est plus commercialisé. Il reste plus que le citron meringué et pomme d'amour, il me semble. Et pour celles qui connaissent le parfum Chloé et le shampoing sec Baptiste, le Brit, il me semble, celui avec le drapeau, c'est la même odeur, honnêtement. Donc il se présente comme ça avec le capuchon. Il est vraiment tout mignon, le capuchon. Et franchement, c'est... Je m'en suis quand même pas mal servi, j'en suis un peu plus que la moitié. Et c'est trop bon, ça sent trop bon, pardon. Et franchement, j'adore. C'est, je crois que j'avais payé ça 1,99€ ou moins de 3€, j'en suis sûre. Et c'est du 50ml, donc c'est vraiment pas mal. Et j'adore, franchement, j'adore. Après, je suis un peu réticente, moi, quand même, sur les parfums de qui ne sont pas de marque. J'ai peur que ça me fasse des boutons, et celui-là, non, donc c'est super. Et ça, c'est un cadeau d'une abonnée qui m'avait envoyé. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un gros bisou parce que je l'adore. Donc, c'est un parfum de chez Zadig et Voltaire. C'est le tome 1 for Air, la pureté. Donc, il se présente comme ceci. Déjà, la bouteille est très épurée, très sympa. Ça fait très classe et j'adore. Ça sent la fleur d'oranger un petit peu et j'adore cette odeur. Je la mettais un peu plus pour l'hiver. Là, les jours où il faisait pas très beau, je la remettais. Sinon, je mets mon Chloé, enfin mon Guimauve. Mais j'ai adoré ce parfum et je te remercie vraiment si tu passes par là. Donc, voilà. Et pour terminer, j'ai du maquillage forcément. Donc, pour compenser pour le teint, j'ai qu'un produit pour le teint, oui. Donc, c'est la. Je sais plus si je vous l'avais montré, en tout cas dans mon tuto, je m'en suis servi. Mais je sais plus si je vous l'avais montré. Donc, c'est ma. Comment il s'appelle ça? Ma poudre matifiante de chez Urban Decay. Donc, c'est avec le packaging violet comme ça. Il y avait une houppette, mais moi je l'ai enlevée, donc il y a un miroir. Et en fait, la poudre est comme ceci. Donc, c'est une poudre blanche, matifiante. Et je l'adore. Bon, je m'en suis quand même pas mal servi parce qu'il. C'est quand même pas mal creusé, mais je l'adore. Franchement, j'avais payé ça, je crois, 30€ ou même moins, je sais plus, chez Sephora. Mais franchement, elle est super. J'hésitais entre celle-là et la HD de Make Up For Ever, la poudre libre ou la compacte. Et je me suis laissée tenter par celle-là parce qu'on s'en est pas trop parlé et je regrette vraiment pas. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour les lèvres, j'ai qu'un produit, donc c'est parce que sinon les autres, vous les connaissez, c'est le 904 de chez Kiko. C'est celui que je porte sur les lèvres actuellement, donc c'est entre un rouge et un rose. Donc il est comme ceci. Là, vous le voyez un peu néon, mais il n'est pas néon, je vous rassure. Là, sur la main, il paraît quand même rose. Ouais, il est quand même plus rose que... Voilà, et c'est celui que je porte et j'aime beaucoup. Donc là, j'ai un petit peu arrêté quand même les couleurs un peu plus foncées et tout ce qui est... Bordeaux, etc. Parce que il fait beau en ce moment, donc voilà, je préfère ces couleurs là pour l'hiver. Ensuite, j'ai un eyeliner, donc ça fait plus de 15 jours que je m'en sers. Je l'avais laissé de côté et je m'en suis resservi. Donc j'ai laissé de côté mon, je sais plus ce que c'est un L'Oréal là, je crois, celui que je me sers dans mes tutos et que je vous mets souvent dans les favoris et tout ça. Donc c'est celui de chez ELF à 1€ et franchement. Je l'avais mis de côté parce qu'il m'avait déçu, mais je le reporte depuis quelques jours et je l'adore, franchement je l'adore. Pour 1€, des fois ça vaut plus le coup d'acheter ça qu'acheter un eyeliner de chez Sephora ou Grande Surface ou quoi, que vous payez ça peut-être 15€. Donc voilà, franchement, pour les petits budgets ou celles qui veulent essayer la marque ELF, franchement n'hésitez pas pour l'eyeliner, il est vraiment super. Ensuite, pour les yeux, donc j'ai le mascara, je sais plus si je vous l'avais montré dans mon ancien produit favori, c'est le Beautiful Volume, le volume x10. D'ailleurs, pas mal de personnes m'ont dit dans mon tuto que j'avais des styles de fou avec ce mascara, donc c'est celui-là. Je l'avais acheté au promo Leclerc, donc il est comme ça le packaging, je sais pas s'il existe encore. La brosse est assez grosse quand même. Voilà, mais franchement, il est super, moi je l'adore, donc...
Donc voilà pour ça. Et ça, j'en sers depuis quelques moments, un grand moment quand même. Ensuite, j'ai le crayon pour les yeux 01 de chez Kikos. Donc c'est le couleur nude, couleur peau, que je mets tout le temps en mucose interne parce que j'ai arrêté le crayon noir. Ça dépend des fois. Des fois, je peux le mettre, par exemple, quand je pars en soirée ou quoi. Mais sinon, je mets celui-là et je l'adore. Il agrandit le regard et je suis vraiment fan. En plus, il se termine vraiment pas. Ce que j'avais acheté, je crois, au solde de l'été dernier ou il y a 2 ans. Enfin, 1 an et demi peut-être. Mais je l'adore. Donc voilà. Et pour terminer, je vais passer par ça. Donc là, ça, c'est de la marque Kiko. Donc c'était celle qu'ils avaient sortie pour Noël, je crois. La gamme de Noël. Et je suis vraiment... J'en avais acheté deux. J'avais acheté celle-ci et une violette. Et en fait, ça fait quelques jours que je voulais... je mets celle-là. Et franchement, j'adore le rendu. Donc je me suis maquillée avec aujourd'hui. Et franchement, je l'adore. Donc c'est... C'est celui-là comme packaging. Donc là, ça fait effet miroir. Hop. Et en fait, c'est un kaki. Mais un kaki irisé, mais tellement beau. Donc il est comme ça. Donc c'est entre la mousse. Ouais, c'est plus de la mousse que de... Que les... comment vous dire ça? Il y avait une autre gamme de chez Kiko qu'ils avaient soldé pendant un moment. Moi, j'ai toutes les couleurs de cette gamme-là, d'ailleurs. Et c'était plus pâteux que là. C'est plus de la mousse. Et c'est vraiment super. D'ailleurs, si vous voulez un maquillage avec ce fard à paupières là, dites-le moi, ça fera vraiment plaisir de vous le faire. Je l'ai fait aujourd'hui, il est vraiment très simple et voilà. Donc ça, je l'adore. Je sais pas si c'est encore commercialisé, je suis désolée. Et pour terminer, je sais plus si je vous l'avais mis dans mon ancien produit favori, donc c'est la Smashbox Full Exposure. Donc c'est celle-ci que j'ai eu dans mon soir avec ma chérie Laura. Donc c'est je sais pas s'il y a une non, il n'y a pas de référence. Donc elle se présente comme ceci. Donc il y a des iris en fait en haut, enfin là vous le verrez en bas, mais c'est en haut tous les irisés et en bas tous les mats, et j'adore. Donc j'avais fait mon dernier tuto avec et vous avez été pas mal à me dire qu'il était vraiment sympa. Donc voilà d'où il vient. Et je sais pas du tout le prix, je crois qu'elle avait acheté sur Birchbox ou je sais plus, je pourrais pas vous dire, mais en tout cas j'adore. Donc voilà pour mes produits terminés. Et donc je vais terminer en vous disant que du 25 au 28 juin, je serai à Paris. Donc voilà, c'est la première fois que je vais à Paris, je suis super contente. Et le samedi 27, je serai au Video City. Donc voilà, j'y vais avec ma copine Laura. Donc on part 4 jours à Paris, on est vraiment très très contents. Donc on va faire du shopping. D'ailleurs, si vous voulez un vlog sur les 4 jours, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous le faire. Voilà, on va faire du shopping, visiter, parce que moi j'ai jamais visité Paris, elle y est déjà allée. Donc voilà, je suis super contente d'y aller. Donc voilà, puis je vais voir plein de youtubeurs que j'adore. Donc je suis trop contente. Donc voilà, si vous êtes de Paris ou que vous êtes au Video City le samedi, moi j'y vais que le samedi, je vais pas le dimanche, parce que le dimanche on préfère visiter Paris, et comme on part le soir en fait. Voilà, donc voilà, dites-moi si vous y serez vous, et ça me ferait vraiment trop plaisir de vous voir. Donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à mercredi. Ciao les filles, mouah.